Gagné, impératrice. J'ai gagné, encore une fois. Ah. Je dois partir. Alors, adieu. Faut pas le prendre comme ça, madame. Plus fort que vous, c'est tout. Là là là. Bon, c'est sur cette victoire que nous reprenons les aventures d'Andros Théodoros quasiment directement après l'épisode précédent. J'ai encore activé le RTX Voice. J'ai un peu checké ce qui s'était passé lors de l'épisode précédent vis-à-vis de ça. Je n'ai pas tout regardé, l'épisode était long. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artefacts sonores. J'ai l'impression que c'est lié au voice gate du logiciel. Qui a la capacité au programme de couper le micro et de le rallumer suivant si on parle ou pas. Et j'ai l'impression que quand il y a le voice gate qui s'active, ça provoque un artefact souvent sonore quand c'est fait trop brusquement par l'IA qui gère le logiciel RTX Vogue. Il y a aussi quelques autres petits problèmes à gauche à droite. J'ai quand même l'impression qu'il comprend beaucoup plus ma voix maintenant que j'ai amélioré le gain du micro. C'est pas parfait en même temps, bon. Le logiciel est en bêta, il est à peine en 0.05.12, donc on est encore très très loin de l'objectif fixé par les développeurs, mais en tout cas, on entend parfois quand même un peu le clavier, là je sais pas si vous l'entendez ou si c'est bien caché, mais ça limite quand même beaucoup 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 les parasites sonores qu'il peut y avoir en cours des batailles, quand je dois cliquer vite, souvent, on les entend encore un peu. Mais ça va être plutôt pas mal. Donc je vais le laisser encore un peu, du moins pour cet épisode-ci. On va encore se le coltiner, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça. Franchement, je sais pas ce qui est le mieux. Je suis vraiment balancé entre les deux. J'arrive pas à me décider. J'arrive vraiment pas à me décider et j'ai vraiment un clavier qui fait un bouc en monstre. Et une souris aussi qui fait pas mal de bruit. Mais c'est plutôt mon micro qui capte trop les sons ambiants. C'est vraiment un micro qui capte tout. Il y a vraiment des micros qui sont faits pour vraiment qu'on parle vraiment à côté d'eux. Et donc ça limite quand même tout ce qui est bruit un peu lointain. Donc automatiquement ça fait quand même une réduction de bruit. Et il y a d'autres comme le mien qui, lui, eux, captent absolument tout ce qui se passe. C'est un peu dramatique pour tout ce qui est... tout ce qui est... comment je pourrais dire? Sensation agréable d'un point de vue sonorité. C'est très chiant d'entendre toujours tic-tic-tac-tac en boucle ou d'autres problèmes si jamais il y a une voiture qui passe à côté de la maison, des gens qui parlent dans la rue. Voilà. Voilà. Elle paye pas de mine cette ville, hein, impériale. Hein. On dirait un vieux trou, trou pourri là. C'est la résidence secondaire de l'impératrice ou comment ça se passe? T'es perdu, petit? On peut t'aider si tu veux, hein. Le grand Khan, mon chouïk, lève la main, nous obéissons tous à ses ordres. Le grand Khan, mon chouïk, t'es loin, nous retournons faire la sieste et jouer. Oh, monsieur, je jubile, vous serais-je utile sans être futile? Nous avions de semblables rimes quand j'étais jeune. Évite de chanter cela à chaque étranger que tu rencontres, mon enfant. Parle à tes aînés avec respect, espèce de sale gueux. On va être gentil. Il se moque des cuisettes. Il se serait moqué des impériaux. Bon, on lui aurait dit attention. S'il se moque des étrangères. C'est un bébé impérial. Il a le droit. On est l'Empire après tout. Les peuples barbares. Ils croient pouvoir. Ils pensent pouvoir nous vaincre. Ouais. Bah dans quelques années, quand la guerre civile sera terminée, on ira leur montrer qui c'est le patron. On n'est pas devenu un empire pour rien, moi, c'est ça. Je vous le dis, hein. On va reprendre notre hégémonie sur Calradia et on va leur botter l'arrière-train. Bon. Alors je ne sais pas encore vraiment ce qu'on va pouvoir faire durant cet épisode. Chatouille. Voilà, ça va mieux. En tout cas, on n'est pas bloqué avec nos chevaux qu'il faut particulièrement garder. Et le jeu plante plutôt pas mal. Je sais pas si c'est un bug qui est particulier à la 1.5.9 bêta. En tout cas, ça peut être très très gênant. J'espère que l'épisode va pas être coupé en plein milieu de sa partie.
Si jamais il coupe et qu'on est peut-être à 25 minutes, bon bah tant pis, on s'arrêtera sur une coupure. Mais bon, si c'est après limite un quart d'heure, là c'est un peu plus compliqué. Pour c'est de nouveau assiégé. Ok. On a deux armées. On va aller peut-être retrouver nos armées. On va faire ça. Est-ce que j'ai bien vendu mes... Ouais, ok, parfait. Bah, deux soldats, c'est pas énorme. On va tenter de les entraîner un peu. On va les envoyer se battre contre quelques pillards. Ça fera un peu augmenter notre... Oh, Ragaïa, pardon. Je dis soit Ragaïa, mais en fait c'est Ragaïa. Rassemble une armée. Bon, on va rejoindre l'armée de Ragaïa. On va d'abord s'occuper d'eux. Alors, les archers. Vous allez ici. Vous allez là. Vous formez votre mur de bouclier. Et j'aimerais vraiment comprendre comment fonctionne. Si j'en veux. Ah, c'est tout simple. Ça marchait ça lors de l'épisode précédent là, j'avais pas tenté cette stratégie là. Je pensais. Bon, finalement non. Amdon, je sais bien que t'as pas envie de te faire frapper, mais allez, t'as de nouveaux matos, ce serait utile que tu puisses l'utiliser. Allez les gars, on va capturer ce qui reste et on va rejoindre Ragaïa, à l'impératrice de mon col. Bon. Notre petit Andros est sensible au charme de l'impératrice, mais elle est trop vieille pour lui et elle est déjà mariée à un défunt empereur assassineux. Tant pis. Il devra trouver autre chaussure à son pied. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, toi, reviens là. Voilà. Ça, c'est mieux. Là, par contre, c'est bien payé. 1,3 d'influence. Là, c'est bien. Ça veut dire environ 160, 170 deniers d'influence. Ça peut être pas mal. On a été bien payé pour ceci. Donc, une fois que vous êtes mercenaire, vous pouvez fermer comme ça les petites bandes de pillards. Ça aide plutôt pas mal pour se faire de l'oseille quand on est mercenaire. D'ailleurs, on va peut-être essayer de choper rapidement le dernier. Bon, nous abandonnons, nous ne pouvons pas vous combattre. Peut-être que les gens comme nous ne méritent aucune miséricorde, mais essayez de faire preuve d'un peu de pitié. Il y a beaucoup de bruit en arrière-plan, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est dehors ou si c'est les voisins. Bon, la grande question, est-ce que ça nous rapporte plus de les vendre directement ou est-ce que ça nous rapporte plus de les enfermer dans une prison et gagner de l'influence à la place? On va voir. Est-ce qu'on peut avoir les décimales? 1,14. 1,14. Bon, vu qu'elle se dirige vers là, on va plutôt aller ici s'occuper des prisonniers, puis on va rejoindre Agaïa et on va se battre pour l'impératrice. Espérons franchement qu'elle ne meure pas durant la guerre, parce que notre petit Andros sera tout triste. Ok, alors on va s'occuper. Alors, on regarde. On est à 0,14. Si jamais on les vend. J'en ai combien? Ça ferait 35 deniers. On en a 7, donc 7 x 5, 35.
Et si on arrive à avoir beaucoup plus d'influence, ce sera donc. On verra. On va leur donner, on va livrer les captifs à la forteresse dans les geôles. Parfait. On donne. Ah, mais c'est tout pourri! Ah, c'est clairement pas rentable. Je sais pas si tous les prisonniers sont si peu rentables en termes de d'affluence ou c'est seulement les pillards qui valent vraiment rien. Mais là, je viens de me faire avoir. Oh là, on a perdu une bataille. Une grosse, grosse bataille. Ok, il y en a quand même pas mal qui ont. Qu'on puisse échapper. Ragia, elle n'en a rien à péter du conseil. Elle fait ce qu'elle veut. Le conseil dit non, on va pas donner le château à celui-là. Si je veux. J'espère que ça nous sera utile. Et qu'on pourra profiter de cette forte tête quand ce sera notre tour de demander à fief. Ok. Niveau bouffe, on est largement pourvu. Surtout de la bière qu'on a. La bière, ça c'est comme de la soupe de blé et d'orge. Donc. Bah, c'est nourrissant. On rejoint l'armée. On va pas vraiment faire grand chose. On va pas vraiment peser très lourd de la bataille, mais on ne peut pas nier qu'on est présent. Et qu'on lâche notre poste lâchement. 440 hommes, c'est pas beaucoup. Hein. En tout cas, les prisonniers ont décidé de se battre pour l'impératrice. Semblerait-il que participer à cette campagne les ait motivés à nous rejoindre. On a des renforts de la part d'Eléa. Parfait, 515. Ça commence à devenir une belle armée. Oh, de nouveaux renforts. Parfait. Et vous pouvez pas venir? Ça serait super si vous veniez. Non? Non. Bon, on va se diriger vers Poros. Espérons qu'on arrive à temps pour repousser l'envahisseur. Ce sera la deuxième bataille de Poros, décidément. Ce sera un sacré champ de bataille. Les plaines de Poros. Flintok. Flintok, c'est où? C'est pas par là? Je sais pas. Est-ce que les Sturgeas seront en guerre contre les Blondiens? Et on est sans cesse attaqué par les impériaux de l'Ouest. On a perdu Poros, merde. Allez, attention à la musique. Vous sentez toute la force de l'armée impériale qui se dirige pour sauver le château de Sestendheim. On arrive. Ouais, bah c'est des. On peut pas s'en occuper là? Bon, bah on va assiéger Taurios. Pourquoi pas? J'accélère le temps et on attend. On va bêtement attendre, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que l'ennemi va tenter de nous déloger? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'on va prendre le château? Château qui doit avoir une garnison pleine, oui, 174. D'ailleurs, pour l'occasion, ça ne servira à rien. Donc, je vais prendre ceci et je vais prendre ceci pour le siège. Voilà. On construit le bélier. Devant, ils ont des onagres. Tour de siège, ok. Bon, les sièges sont complètement pétés dans le jeu. J'espère que ça va bien se passer. Au pire des cas, avec le peu d'hommes que j'ai à ma disposition, on devrait pas perdre grand-chose, mais généralement, d'où les mercenaires, ou du moins les soldats du joueur, on est envoyé directement en première ligne et on peut déjà attaquer. Parfait, ce fut rapide. Bataille. Premier siège de la partie. Oula, ça rame un peu. Hop. Un cheval, ça ne sert à rien pour prendre d'assaut de muraille. Alors, je réfléchis un peu à ce qu'on pourrait faire. La tour est là, ok. Et ici, ce sont des échelles. Je vais aller aider les archers à droite. Je vais laisser les mecs à gauche s'occuper avec la tour.
Et le bélier faire son travail. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace les catapultes et les onacres depuis qu'on peut tirer des petits boulets comme ça. Parce qu'avant c'était seulement un gros boulet, c'était pas forcément très très efficace, et là ça a changé. Et ça fait vraiment la différence, donc bon point pour les développeurs. Touché, parfait. Espérons que je puisse reprendre la ligne. Ah, bah il est mort. Je pensais être bon, ce n'est pas le cas. Je l'ai eu, parfait. 5 points en arbalète. C'est parfait, on va fermer l'expérience. Là. Ah, il est mort, je crois. Lui là-bas. Raté. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un petit caillou sur la poignée qui est balancé qui disparaît dans les heures. Il y a un petit bug là, ça diminue un peu comme l'effet de la pluie de pierre. Touché, cool. On se concentre. Ok, on attaque. On prend d'assaut les murailles. Il y a deux échelles qui fonctionnent là. C'est tellement rare que ça arrive. Il faut en profiter. Hein. D'habitude, c'est sur une échelle sur deux là qui fonctionne. Attention, attention, attention. On est passé ou on n'est pas passé? Deuxième échelle ne fonctionne plus. Allez, on monte pour Ragaïa. On va prendre le château. Et après... Oh, ouh là, j'ai pris quoi que... Ouais, j'ai pris cher. C'est qui m'a fait aussi mal? Il n'y a plus d'archer? Je me suis pris un boulet de nacre dans la tronche. Oula, 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 oula. Merde, merde, c'est des ennemis ça. Tuez-les, prenez les murs pour l'impératrice. Oula. Attention, lui, c'est un ennemi là. Voilà. Il y en a encore. On peut avoir des renforts, c'est pas trop demandé. Mais qui c'est qui me tire dessus? Il y a un mec sur une tour que j'ai pas vu. Bon. Est-ce qu'on peut avoir une vision sur ce qui se passe? Voilà. Ah, c'est pas glorieux, hein. Je me suis fait poutrer par je sais pas qui. Oh, on a pété la porte, parfait. On est rentré dans le château. C'était qu'une question de temps pour que la garnison se fasse étriper. On peut me renvoyer sur les troupes de la porte, s'il vous plaît. Pitié. Ah ben ça va, ça fonctionne. Et je suis con, en fait. Je pouvais juste faire ça depuis le début. Ah là là, fantôme. Tu te fais vieux. Ils se replient, ils sont piégés, c'est la fin. C'est un peu dommage que l'IA
est envoyée, c'est tellement scripté que l'IA est envoyée d'un point A à un point B et sur le chemin elle n'interagit pas avec son environnement et donc regardez ce qui se passe. Les mecs sont font mobiliser sur les troupes ennemies qui leur tapent dessus et les massacrent. C'est vraiment triste. Et ils continuent avec leur petit onacre. Fidèles à leur poste. Ils ont porté là. Ça, c'est court. Hein. C'est franchement court. Bon, nos troupes ont pris le château. Eh bien, ce fut. Ce fut violent. C'est le dernier encore en état ou. Non, il en reste encore 3. Bien joué, belle interception. Allez, allez. Bien, cool. Parfait, encore 2. 2 miliciens, c'est ça? Ouais, 2 miliciens. C'est peut-être les deux mecs qui sont dans les catapultes là. Ouais, ça doit être ça. Hein. Bon, par contre, ils sont dans la tour là, on ne les voit pas. Ah non, c'est eux, ils sont là, pardon. Ils sont là. Petit lancer de pilum, les mecs, ils s'entraînent au tir. Bravo, bien joué. Le château est à nous. J'ai perdu 4 hommes, conscrits, un fantassin. Donc ça, c'était un prisonnier. Ça, c'était un simple nouvel recul. J'ai pris un légionnaire. Aïe, 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 un sergent. On perd des bons soldats. Nos fidèles compagnons du début sont tous en train de crever. On va être bien payé quand même. 3.2 d'affluence, 10% du butin total. Ça vaut que 53 deniers. Ah, c'est tout pourri ça, par contre. Hop, hop, et voilà, au niveau du butin, on a peut-être un truc intéressant, je prends ça, alors au niveau des lances, alors c'est ça que j'avais avant, c'était la lance à tête triangulaire, 27, 26, vitesse de poussée 82, 79, c'est à poil plus long, c'est moins maniable. Comment ça se fait que le prix soit x2 là? Clairement la tête à temps, la tête triangulaire est quand même bien meilleure que la lance de l'ouest. Je comprends pas. Je comprends pas, je. Bon. Le château de Torios, localité prise par une armée dont vous êtes membre, Ragaïa a dû montrer sa miséricorde aux gens du château de Torios qui étaient à l'origine la descendance de l'Empire. Vous entendez parmi les troupes les murmures des mécontents qui se sont vus refuser leur droit coutumier au pillage. Ah, ça explique peut-être pourquoi on n'a touché que 53 deniers. Non, mais je comprends. Je comprends parfaitement la logique. Ça aurait été des villages barbares. Bon. On s'en fout, mais là le but c'est de gagner sa légitimité, donc le but c'est de garder un minimum le cœur des sujets de l'Empire pour gagner en légitimité pour diriger le dit Empire. C'est plutôt pas mal. Bon, pour le coup, on va récupérer notre petite lance et notre petite masse à pointe. Voilà, on va verrouiller ceci. Donc on a grand sac de carreaux. Au niveau des dégâts, c'est typiquement pareil. Ouais, ils ont vraiment absolument rien fait. Quoi. Il n'y a que la quantité des carreaux par carquois qui ont été modifiés. Le reste, c'est exactement la même chose. En quoi c'est long de faire ça, je ne sais pas. Mais il semble-t-il qu'après un an de développement en Early Access, on n'est toujours pas droit à avoir des carreaux de... Alors, en même temps, on a dû attendre quasiment 6 mois, si pas plus de 6 mois, avant de pouvoir utiliser les arbalètes correctement. Donc, effectivement, bon. N'en demandons pas trop. Alors, ici, on a quoi? On a du caca. Est-ce que c'est meilleur que ce qu'il a? Non, il va garder ce qu'il a. Il va garder ce qu'il a. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors, que va-t-elle faire?
J'espère pas être trop grosse baston parce que je peux pas me battre. Ça c'est bien ça. Elle en a rien à péter. Hein. Elle va du point A au point B, mais elle ignore tout ce qui va autour. C'est moi je suis l'impératrice, on va droit devant. Mais madame, ils sont en train de... Droit devant. Et on ne discute pas. Attends, je te recrute. Attention quand même au moral des troupes. Une nouvelle armée a été poutrée. Alors, localité, recruter des troupes, on peut rien faire. Est-ce qu'on peut commercer? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, regardez, les chargeurs impériaux ont bel et bien augmenté de prix. Hein. Donc effectivement, j'avais plus ou moins juste au niveau des frais. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir avoir des chevaux pas trop trop chers. On va pas augmenter nos chevaux. Ça va coûter cher, mais on va être un peu plus rapide pour plus tard. Hein. Vu qu'on est un peu plus nombreux dans l'équipe, c'est bien d'augmenter un peu la taille du troupeau de canassons que nous avons à disposition. Et on peut revenir dans l'armée. De toute façon, elle a pris toutes les recrues disponibles. Donc ça sert à rien d'assister. Pendant ce temps-là, moi je me repose, je récupère des forces. Théoriquement, je pourrais me battre là. Même si je prends un mauvais coup, c'est fini, c'est one shot. Mais je pourrais me trouver sur le champ de bataille. On a. Ah, c'est des milices. Bon, c'est pas. On va pas faire la fine bouche, les miliciens, on les recrute. C'est rare que même des soldats impériaux. Je suis curieux de savoir à quelle vitesse les événements récents négatifs passent. Ah, on se dirige vers le château d'Onika. Ok. Ok. C'est quand même bête que la variété de nourriture soit au moins 2. Hein. Ils ont quand même énormément de bière, non? Ils sont pas contents encore. Ils ont des graines et du jus de graines. Ça va. Y a pas besoin de faire la finouche comme ça, pitié, quoi. Je crois qu'il y a les troupes impériales qui s'amusent à piquer ma réserve de bière personnelle. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends qu'ils gueulent là, les mecs. Non mais oh. Bon, on va arrêter les dépenses hein, parce que les chevaux nous ont coûté très cher. Pareil pour ce stock de bière qui finalement. Et dilapider par nos troupes alliées. On a recruté tous les prisonniers au sein de notre équipe et on n'a plus d'armée. D'accord. D'accord. Les villages sont pillés. On va essayer de trouver un endroit où on peut essayer de trouver de la nourriture un peu diversifiée. Là-bas. Là-bas, c'est jouable. On va éviter d'attaquer les caravanes des impériaux, même des traîtres. On va essayer d'avoir un minimum de bonnes relations avec les notables de l'Empire. Par contre, je ne serai pas contre un pillage ou deux des territoires barbares et de leurs caravanes. En espérant bien entendu que ce ne soient pas des caravanes d'un territoire impérial sous contrôle barbare. Ça risque d'être un peu compliqué de pouvoir faire la différence. Alors, 10 de grain, un peu de beurre, un peu de fromage. Pas plus, vraiment pas plus. On va tenter de recruter quelques troupes supplémentaires. Au niveau de la solde, on va essayer d'éviter de dépasser les 200 de solde par jour. Ça nous créerait un déficit, mais ce serait quand même normalement jouable. On va s'occuper de... Quoi, tu n'accélères pas? Hop, on s'en occupe. Et pour ce qui est des archers, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le commandement libre. Pareil pour Amnon, si tu veux glander, tu glandes. Si tu veux te battre, tu vas te battre. En attendant, l'infanterie en position.
Alors, on va vous charger. Là, oulala. Oulala, lapis de pierre, là. Je me fais lapider. Hop. Aïe. Ça fait mal, des cailloux, hein. Parfois, ça fait bien plus mal qu'un carreau d'arbalète. Mais je me fais marave. On met le sang-gène de ces pillards. Je viens à peine de me remettre de mes blessures que je me prends déjà des cailloux dans la tronche. Allez hop. Parfait. On capture tout le monde. Non. Ne le tue pas. Allons-y. Allons-y, allons-y. C'est bon? C'est fini? Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Pas plus de prisonniers que ça? Que 4? Bon, au moins on entraîne comme ça les conscrits, ça va devenir des gens avec au moins un bouclier et une épée, hein, comme ça ils pourront participer au mur du bouclier, c'est le plus important. Je suis pas un grand fan au fait des ménavions. Ils sont résistants, hein, mais le fait qu'ils soient tellement sensibles aux tirs à distance. Je préfère vraiment un mur de bouclier, de phalange impériale bien forte, bien résistante, que des ménavillons qui sont typiquement des hommes qui sont. Plus tard, ce serait utile. Quand j'aurai une grosse armée de plusieurs centaines de personnes, où je pourrais vraiment faire des équipes bien spécifiques, genre unité de bouclier pour faire un mur de bouclier, et derrière mettre des troupes spécifiques comme le ménavillon, là il y a moyen. Mais là, vu qu'on est quoi, on est 36, on va même. Sans doute prochainement étant beaucoup moins que ça, je vais pas prendre le risque de m'engager dans des troupes comme ça. Donc on va vraiment focaliser notre upgrade sur les fantassins vétérans à bouclier. Je pense que sur le court terme, c'est ce qu'il faut faire. Et après, quand on aura plus de diversité et plus de troupes, là, on pourra s'occuper d'avoir peut-être des troupes un peu plus sensibles. Mais là, on va éviter. On va éviter, on a déjà assez de conscrits comme ça qui n'ont pas de bouclier. On va essayer de renforcer un maximum le mur de bouclier tant qu'on le peut actuellement. Un peu de nourriture. Parfait. Parfait, parfait. Et je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode, hein, 33 minutes, donc c'est parfait. Je suis fatigué, la preuve. Si l'épisode vous a plu, petit pouce bleu. Là, j'essaie de parler bien lentement parce que là, il y a ma langue qui a du mal. La fatigue commence à se sentir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. J'espère quand même que si vous avez regardé les épisodes jusqu'ici, c'est que ça vous plaît. Donc merci et n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Comme ça, vous serez tenu au courant des nouvelles sorties. Petit commentaire également pour stimuler le référencement ou tout simplement pour partager vos pensées. Et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes d'Andros Theodoros. Et peut-être aussi d'autres aventures sur la chaîne, d'autres vidéos. Et donc, je vous dis à très bientôt. Salut. Bye bye.